Qu'est-ce qui nous dit? Ta facture ya chupa tano. On amène une facture de 5 bouteilles. Utavi konsome. Il va les consommer. Juni njia yenye haiko ndani Mungu. Parce que c'est une voie où Dieu est absent. Même celui qui te servit, il va commencer à monter des dossiers contre toi. Il a voulu me violer. Il m'a touché au sein. Je ne veux pas que la police vienne. Donnez-moi un 200 dollars là-bas. Toute une voie où Dieu est absent, elle est là pour la perte. Balaam l'a dit à Balak. Hivi wenju napenda kulaani wa Israel. Toi tu veux maudire les Israélites. Leta ngombe saba. Amen cette vache. Na tujenge mazabao. Construisons. Tuchune zile ngombe. Égorgeons ces vaches. Kisha na mie nisimame pale. Moi je vais me tenir là-bas. Ngombe saba ziko na valeur ya ngapi? Et cette vache ont quelle valeur? Balaam anakuja. Balaam vint. On lui a montré son salaire. Il est entré du haut de la chair. Quand il est entré dans l'onction, il a dit: quand j'étais au sommet des montagnes, j'ai vu les Israélites dans la vallée tels que je les ai vus. Ce sont les gens qui sont différents. Wakati batahesabia mataifa. Quand on va compter les nations. Abo habatahesabili wandani. Les gens ici ne seront pas comptés. Jo kwa maana na sisi. Et pourquoi nous aussi? Hatuko wa mataifa. Nous sommes plis des nations. Tulikuwa wa mataifa. Nous étions des nations. Lakini kwa kuamini Yesu Kristo. Par la foi envers Jésus Christ. Tukakuja. Nous sommes venus. Sisi ni taifa. Nous sommes un peuple. Takatifu. Saint. Chaguliwa. Élu. La Mungu. De Dieu. Il est taïfa takatifu chaguliwa la Bible. Les saints élus de Dieu. Wenye wako à part. Qui sont à part. Wale njo kanisa. C'est ça l'église. Bale benya lishindwa kulaani. Ces gens-là qui a eu du mal à maudire. Wale njo kanisa. C'est on. Nirudie nyuma kidogo. Que je revienne en arrière. Wakati walikuwa Misri. Quand ils étaient en Égypte. Hawakuitiwa kanisa. Ils n'étaient pas appelés l'église. Hawange itiwa kanisa. On ne devrait pas les appeler église. Nabangai Misri. Tandis qu'ils étaient encore en Égypte. Nawe hawezi itiwa frère sœur. Et toi, tu ne peux pas être appelé un frère ou une sœur. Na hawia batiziwa. Si tu n'es pas encore baptisé. Vile ginsi. Tel que. Na kusema wingie mwitera nilo mwasamble. Pour entrer dans l'ensemble. Inakubidu pige hatua. Il te faut faire un pas de quitter les dénominations, de quitter le monde, de quitter les protestants, de quitter les catholiques et venir ici. Hawezi itiwa kanisa. Tu ne peux pas être appelé. Na hawia toka hapa. Tu ne peux pas encore quitter ici. Wende mbali. Et aller loin. Mbali ya tabia. Hors des. Mbali ya desturi. Hors des traditions. Amen. Amen. Upokee Roho Mutakatifu. Que tu reçoives le Saint-Esprit. Uwekewe yako alama. Que tu sois marqué. Seigneur. Akuweke. Qu'il te kando. Mette à côté. Or. Ukule chakula tofauti. Que tu manges un repas différent. Wale wali otoka. Les gens-là qui sont quittés. Wale njo kanisa. Ce sont ces gens-là l'église. Kanisa ni ya wapi? Qu'est-ce que l'église? Kanisa ni wale wenye Paula na tuambia. L'église sont ces gens que Paul. Taifa langu. Mon peuple. Ondokeni katikati yao. Portez au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Wakati ungali na jibia sawa wengine. Quand tu réponds encore comme les autres. Ungali na kula sawa wengine. Tu manges encore comme ces autres. Ungali na jikamata sawa wengine. Tu te comportes comme les autres. Ungali na va sawa wengine. Tu te vêtis comme les autres. Wewe haujakuwa kanisa. Toi tu n'es pas encore l'église. Kon kanisa l'église ni watu tofauti. Sont ces gens-là qui sont différents. Njoo naona. C'est pourquoi vous voyez. Mungu Dieu hakuwapatia torati. Il les a pas donné la loi. Na wangari kwa Farao. Quand ils étaient encore chez Pharaon. Hange waambia. Il n'allait pas les dire. Mupumuzike sabato. Et reposez-vous du sabbat. Je. Est-ce que Farao taitika wapumuzike? Est-ce que le Pharaon va les permettre de se reposer? Kwenye wako mutumwa. Tandis qu'ils na wenye wako mukazi. Dans l'esclavagisme. Za utumwa wako na zikufia ndani. Il a fallu Seigneur. Il a fallu que le Seigneur. Anza waite. Qu'il les appelle d'abord. Abatoshe mu mikono ya Farao. Entre les mains. Ababele mbali ya Farao. Les amène hors de Farao. Kisha wapatie sheria zake. Et puis il les donne aussi ses propres lois.
Amen. Amen. Wale wenye wametoka kwa Farao. Wale qui ont quitté chez Pharaon. Wale wenye wameenda. Wale qui sont partis. Wale wenye wamevuka bahari nyekundu. Wale qui ont traversé la mer rouge. Yenye nafana inalinganishwa na ubatizo wa maji mujina la Yesu Kristo. Le baptême d'eau au nom de Jésus Christ. C'est au Corinto 10. Selon les 10 Corinthiens. Wale wenye wamefika mbali. Wale qui ont arrivé. Wamefika mujangwa. Arrivé dans les déserts. Wale. Ces gens-là. Jokanisa, c'est l'église. Nawale, wakati walikuwa mujango. Quand ils étaient dans le désert, Seigneur, le Seigneur, aliwashushia chakula cha mbinguni. Il les a fait descendre la nourriture céleste. Wakati walikuwa kwa Farao, quand ils étaient chez Pharaon. Kuko mana yenye waliangusha. Est-ce qu'il y avait du manne là-bas? Babo mba kulira manu mwe Egypte. Walikulia manu Misri. Manu bisobanurwa ngwiki? Manu mana yake nini? Manu hu, man hu. Bisobanurwa ngo maana yake ni hii hivi ni biki hivi ni vitu gani na hii parole et cette parole ici haleluya hii parole ya wakati cette parole nayo ni manu hu leo aussi manu chua wakati wanatuhubiri quand on nous prêche kila se kila frère anasemaka dit toujours Amen. Walikula manu. Ils ont mangé la bari ya Farao. Loin de Farao. Bari ya Misri. Loin de l'Egypte. Wakati walikuwa pale mujangwa. Ils étaient là dans le désert. Walikuwa kanisa. Ils étaient l'église. Na Mungu amewasimamisha Musa. Et Dieu a levé Moïse. Je mutasoma fasi nyingine. Kama Musa njo mwenye alikuwa anaongoza kanisa la mujangwa. Conduisait l'église dans le désert. Mais wakati walikuwa kwa Farao. Quand ils étaient chez Pharaon. Walikuwa watu wa Mungu. Ils étaient le peuple. Walikuwa taifa la Mungu. Le peuple de Dieu. Lakini wakati walitoka. Mais quand ils sont sortis. Jo wamekuwa kanisa. C'est là qu'ils sont appelés. Kanisa. L'église. Ni walioitwa kutoka. Sont les gens qui ont été appelés de sortir. Besi kanisa na wasohotse. Sema kanisa ni watu waliotoka. Bakava muri kamere. Bakatoka ndani ya tabia. Bakava mwisi. Bakatoka ndani ya ulimwengu. Bakava mumihango. Bakatoka ndani ya zehebu. Bakava mwidini. Bakatoka ndani ya zehebu. Abo ni ryo torero. Wale njo kanisa. Itorero kanisa numubumbe ni kundi kwa batoranijwe na watu waliochaguliwa ni kundi la waliochaguliwa the group de gens qui sont élus kusema mubielewe mzuri que vous comprenez bien tunatapanda maharagi nous voulons semer les haricots tulishalima nous avons cultivé shamba iko tayari les champs est prêt udongo buko pale l'argile est prête tunatafuta kulima nous voulons cultiver lakini mais haiko kila maharagi c'est pas n'importe quel haricot yenye tutaenda panda que nous allons semer mais maharagi yote mufuko mzima néanmoins nous avons tout un sac de haricots yenye tuliuza masisi yenye tuliuza birere ku madepo si au depot de birere tutaileta nous allons l'amener hatutaiveba direct mu shamba le transporter jusqu'au champ abana non tutaipitizia ku nyumba nous allons d'abord l'amener à la maison bana muke batafute murago wala mukeka mais achète cherche une nade ba mwange ile maharagi chini ils vont déverser cette maire maharagi et dans cet haricot tunatafuta ndani mbegu. Nous y cherchons la semence. Ile mbegu itatoka mu maharagi. La semence sortira de dariko. Ile yenye tuko na chagua. Celui que nous choisissons, iko na richo tiyapale. Si, a une semence mais tout là-bas. Iko na richo. Si n'a pas d'œil. Ibi tutabitia murengarenga. Ça va le mettre dans les légumes. Tunachagua. Nous sélectionnons. Binachokesha. C'est fatigant. Gutora nyimbuto biraruhije. Kuchagua mbegu binachosha. Abagore baricara bagaheta umugongo. Wake wanakaa wanavunjika mugongo. Na senyere kuchagua. Wenye tabeba mu eglise. Binachosha. Ni fatigant. Ba serviteur wanaikala. Serviteur se met assis. Banafanya hivi. Siwe. Amen. Amen. Wale sasa wenye wamechaguliwa. Ces gens-là qui sont élus. Vous savez où est-ce qu'on place la semence? Mushambre. Dans la chambre. Kwanza kama ni kalanga. D'ailleurs, même si c'est les arachides. Kama ni kalanga. Si c'est l'arachide. Ukisha chagua karanga ya mbegu. Et lire la semence d'arachide. Ni kukitanda. C'est aller mettre au lit. Unatafuta kamba. C'est aller chercher une corde.
unaserembesha kile kikoli, vous les mettez sur ces cordes, les colis. Kina kitse cha kumena numutwe ukikikatika kinitu kupasula takichu kusema pour dire que iwe busiku ke saswala iwe mchana ke saswala jour licho lako ke toneye lipambane na ile mbesa wa fixer sur ta semence ukasikia shwa 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 si vous écoutez un peu ale unakonga torche mbio mbio zalime la torche juu ya nini ni mbele pourquoi c'est parce que c'est une semence ye nyume chagua tia eli vile gizu na husika na mbele tel que tu prends soin de ta semence vile gizi mchana na usiku tel que jour et nuit, Mungu anakesha aussi vert kwa ajili ya kanisa yake l'église. Alléluia. Amen. Wale ces gens-là jo kanisa ce sont eux l'église. Wale ces gens-là jo mboni ya jicho la Mungu ce sont eux les prunelles de Dieu. Amen. Amen. Kanisa l'église ni wale walio chaguliwa sont les élus wakawekwa kando ils sont mis hors de wakati wewe quand toi ungali sawa wale lorsque tu es encore ces autres là unachari muri baba ungali miongoni mwa wale wengine ile ni code ça c'est un code ni code ya mu message c'est un code du message ni wale wale ce sont ces gens là wale wengine ces autres là niko mahali yo babandi na hapa goma kwa wale wengine wakati hawesabiliwe muwale lorsque tu n'es pas compté parmi wewe uko kanisa la tie église jo maana ninamuomba Mungu c'est pourquoi j'ai pris maisha yangu pour que ma vie maisha ya dada que la vie de maisha ya ndugu que la vie de mon iwe tofauti wa différente jo kwa maana biblia inasema c'est pourquoi la bible dit usiguse kukitu kichafu ne touchez pas aux choses impures wakati wewe na wale wengine lorsque toi et ces autres là muko nakutania mukitu kimoja vous racontez dans une même chose. Haouja tok. Là tu n'es pas encore sorti. Wakati mungali na kusanikia mukitu kimoja. Vous vous réunissez encore dans une même chose. Haouja tok. Tu n'es pas encore sorti. Kanisa. L'église. Nindovan. Ni kitu kidio chaguliwa. Tishakim vange. Vange signifie mchanganyiko. Ile mchanganyiko signifie le mélange. En français, mélange. En français signifie mchanganyiko. Ni watu wenye wako à part. Sont les gens qui sont à part. Ni vitu vyenye hauwezi changa. Sont les choses que tu ne peux pas mélanger. Kanisa, l'église. Ni sawa vile ginsi mtu anakunya maziwa. C'est comme quelqu'un qui prend du lait. Muzamata. Unajua maziwa. Nubo kaba gatuti. Hata iwe ka kitu kadogo. Kenya qui est invisible même si celle-ci tombe dans ton lait là on va les voir wakati kanisa mechangana na ulimwengu lorsque l'église se mixe avec la mondanité ile haiko tena kanisa ce n'est plus l'église ni sawa kukamata msururu c'est comme prendre la kirave unaichanga mu maziwa et le mélanger dans le lait. Atuna kunya maziwa, si atuna kunyaka musuru. Si tubichange huku. Melange le pour que tu en prennes. Utabikunywa wapi? Si tu vas prendre ça. Utatapika. Si tu vas vomir. Na kanisa nayo inaomba ikuwe tofauti. Il faut qu'elle soit différente, qu'elle soit différente. Na mata ni maziwa. Kusichanganyike na kitu kingine. Ne soit pas une autre chose qui va se mélanger. Jo kwa maana unaona. C'est pourquoi kanisa kajiunga na ulimwengu. Si l'église ki ulimwengu kinakuja mu kanisa. La modalité en Roho Mtakatifu anaenda. Le Saint-Esprit s'en va. Amen. Amen. Jo kwa maana Mungu atusaidie. Dieu nous assiste. Tuendelee. Pour que nous continuions. Kuwa taifa takatifu. D'être le peuple saint. Ile kanisa cette église yenye mewekwa kando qui est mis hors de ni Mungu yeye peke c'est Dieu lui-même mwenye na sélectionné qui sélectionne va membre va kwenda mwa ile kanisa les membres qui vont entrer dans na vale et ces gens là yenye bako mwili wa Yesu Kristo sont des qui sont attachés sur les corps de Christ. Na wale kama uko membre dans ces gens-là si tu es membre mwa ile kanisa dans cette église kitu chenye kitakuonesha la chose qui va te montrer ni upendo c'est l'amour ni upendo c'est l'amour
C'est pourquoi apa, ici kuna watu wengi, il y a bon nombre de gens wenye, hawaja ingia mwa ile kanisa, qui ne sont pas encore entrés dans cette église. Mutu mwenye angali, c'est lui qui est encore mubitu, dans des choses ya kikabila, ya kijama, des choses des tribus et des familles. Celui-là n'est pas encore entré dans cette église. Niliwahi kuambia fasi moja, aujourd'hui un endroit bako na chagua batumishi, on est en train de faire les élections des serviteurs. Nilikuwa mubenye bako naandika, mais haikuwa parmi les gens qui écrivaient. Mais roho haikufa.